Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Super Star Wars. On se retrouve devant le boss du niveau de la dernière fois. J'ai fait une petite save state dedans, je nous ai avancé jusqu'à ce dernier, puisqu'il va falloir bien apprendre son pattern. Et puis bah voilà, on va faire des travails dessus et puis on va essayer d'avancer. Donc on va commencer déjà par casser. Voilà. C'est parti. Est-ce que... Non. On essaie de voir quelles sont les parties à toucher. Ok. Il y en a deux sur le côté. Sur chaque côté et une en dessous. Va falloir... Le bon rythme. Attention. Ok, ça s'est cassé. Là aussi. Ah non, il me touche quand il me tape comme ça. D'accord. On était pas trop mal. Donc si j'ai pas toute ma vie, forcément. Voilà, le réacteur c'est bon. Je sais pas si c'est une bonne idée, forcément. Fait vraiment pas de dégâts du coup. Ah, dommage. Bon, on arrive à presque lui enlever toutes les parties. Après, il y aura certainement un autre pattern à apprendre. En fait, je perds trop de vie ici. J'essaie d'être le plus loin possible. Ouais, là, c'est pas trop mal. Ok, la tourelle elle est morte. Ah non, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Pas le toucher de loin. Ouais, mais comment? Regardez comment je me fais défoncer le temps de l'approcher. Qu'est-ce qui... C'est vrai que les morceaux qui explosent peuvent me faire du dégât. Ok. J'essaie de le suivre. Ça c'est bon. Ok, ça c'est bon aussi. Va descendre. Il veut pas descendre. Ils m'ont mis une. Ok, ça c'est bon. Après, on peut le défoncer. Et voilà. Donc, un petit peu d'apprentissage. Un petit peu de tentative, mais ça va, ça passe. Merci les save states. Donc, à bord du Faucon Millenium, nos héros. S'enfuit dans l'espace à la recherche de la princesse. Elle est plutôt jolie cette petite illustration avec les Stormtroopers. Tandis que le Millennium Falcon approche
des abords de l'étoile de la mort, son puissant rayon tracteur les attire à l'intérieur de la bataille du hangar. Bah de la... Non, pas de la bataille. De la station de bataille, dans le hangar de la station de bataille. Et on va utiliser Luke. Faire un petit sauté. Évidemment, ces petits trucs là, c'est des ennemis. Ça pouvait pas juste être du décor. Sinon, ça serait trop simple. Ok, il y a des trous qui te one-shot. Alors, beau milieu hein, de l'étoile de la mort. Vachement logique. Autant dans les cavernes et tout ça, bon ok, les précipices, ça arrive. Autant là c'est un petit peu dangereux quand même comme... Ah. Il y a des tailles... Les tailles fighters qui passent. Je sais pas si... Ouais, ils ont l'air de me pousser, de me faire du dégât. Ah, ils ont pas l'air de faire beaucoup de dégâts. Ah oui, deux à la suite, super. Ça, on prend. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moche. Par contre, quel est cet ennemi? Les Stormtroopers, c'est déjà bien, hein, vous savez, vous n'êtes pas obligé de rajouter des choses qui n'existent pas. Ouais, ça fait quand même un petit peu de dégâts. Ok. Et en plus c'est costaud. Ça prend quand même plusieurs tirs pour se faire avoir. Et ça fait mal. Ok. On va les esquiver. Possible. Ces trous me stressent. Qu'est-ce que... Alors d'accord, il était pas... Non mais oh, il faut se calmer là. On est pas sur une autoroute. Ok, les premiers niveaux n'étaient pas forcément... très respectueux en termes d'adaptation, mais là c'est quoi ce bestiaire? Voilà, ça oui, ça c'est entièrement sa place ici. Ok, et il est assez long quand même le niveau. J'ai l'impression que tous les niveaux maintenant ils se sont un petit peu rallongés. Bah lui il est tombé directement dans le trou. Quand je disais que c'était dangereux, ils n'étaient pas du tout fonctionnels. Hein, cette idée de mettre des trous au plein milieu du hangar. Aïe. Une petite vie. Pour l'instant ça ne sert pas, mais peut-être que sur le niveau final on essaiera d'utiliser les vies qu'on aura accumulées. Hop. J'essaie... Dès que j'entends leur bruit de sauter en fait. Le timing est juste quand même. Mais les missiles qui ne s'arrêtent pas quand ils te poursuivent. Jusqu'au bout du monde. Je vais vous farmer un petit peu. Vous. Faut de la vie, poussez-vous. Oui, ça c'est bien aussi, mais il me faut des petits cœurs. Allez,
Non? Ok. Ok, je pense qu'on servit bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est un trou, mais il y a un ennemi dans le trou. D'accord. Je comprends. Ça sent le boss. Tirer à l'arrière. Ah, ça a pas l'air d'être ça. Je vais mourir. J'ai pas vu qu'il me faisait tant de dégâts. C'est tellement chaud. Ouais, c'est tellement chaud de réussir à viser correctement tout en faisant le grand saut. Ok. Niveau plutôt long. Non, bah non. Mais... Non, 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 je repars pas avec ça. Peut-être qu'on va faire une petite save state avant d'y arriver. On va voir combien de temps dure le niveau. On était à un petit peu avant 12 minutes. En tout cas, moi sur mon timer, un petit peu moins. Là, de toute façon, ça sert à rien de s'embêter avec les petits robots. Ils sont chiants à viser. Se contenter de les esquiver. Il va me pousser lui. Donc là on a les robots. Je sais pas quelle est leur utilité. Non mais c'est pas comme s'il y avait 15 000 droïdes hein, dans l'univers Star Wars. Pourquoi inventer cette chose? Mystère. Ok. C'est une petite phase avec des Stormtroopers. Petit filou. Il a failli me pousser dans le trou. Donc je disais, on est bien en termes de vie. C'est chaud. C'est un peu juste hein, ce saut. Ouais, là par contre, je commence à prendre un petit peu trop cher. Donnez-moi de la vie, vous. Voilà. Enfin, une petite safe state quand même ici. Parce que le niveau est super long. Pas compliqué, mais super long. Je pense qu'on a
bien mérité la petite save state avant le boss. Comme ça on étudiera son pattern et on essaiera de le faire le plus proprement possible. Un petit temps de... Ouais non. Non j'ai rien dit, c'est juste moi qui réagis trop tard. Alors où est-ce que je le touche? Dans les bras je le touche en fait. Ah mince, il m'a fait passer derrière. Non, je veux... Bon, ok. Ok. Une fois que je l'ai... Une fois qu'il m'a passé dessus... Soit il faut que j'arrive à rester du bon côté. Soit il faut vraiment que... il faut vraiment que je détruise l'espèce de bonbonne rouge. Merci l'ennemi. Joli rattrapage du coup. Là j'ai même pas ma vie entière. Ça va être compliqué. Là on a un joli safe de spot. Ouais, en fait on peut glisser en dessous. J'arrive plus. Voilà. Tout à l'heure j'avais trouvé un bon endroit. Et là je ne l'ai pas du tout. C'est pas grave. C'est là qu'il est. Non, c'est pas encore là. Plutôt ici. Voilà. Tant qu'à faire, hein, soyons au plus proche. Là. 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 En fait, on est sur un safe spot. En fait c'est moitié de vie sur l'un, moitié de vie sur l'autre. D'accord, ok. Donc c'est comme le boss précédent, il faut réussir à casser les deux parties. Ok. Donc, si on arrive tout de suite là à bien se positionner, ça devrait... Qu'est-ce que je fasse là? Très très chaud de réussir à viser correctement tout en faisant le saut. Sinon là je pourrais rien faire. Et l'ouverture elle est très très courte en fait. Toucher en fait. Ah, c'est pas le truc rouge qu'il faut toucher, c'est le boulon. D'accord, ok. En fait, je m'embête pour rien. À chaque fois, c'est les boulons qu'il faut réussir à toucher. Pas les boulons, mais les vis. Les vis des deux armes, ok. Mais seulement quand elles sont activées. En fait c'est ça qu'il faut toucher, c'était même pas la... peut-être pas la vis au niveau du bras. Bon bah deuxième boss de fait, notre stage nettoyé. Bon, on continue avec Luc hein.
ça? Je sais pas, il y a tellement de choses qui veulent ma mort ici que... Je sais plus ce qui est un ennemi ou qui ne l'est pas. Et ça me pousse, hein. D'accord. J'essayais de rentrer dans l'espèce de tunnel, mais non, c'est juste du décor. Si, c'est un ennemi, en fait. Par contre, j'arrive même pas à avancer, tellement il y a deux gens. Ça me tue, quand même. Je suis dessus, je ne le touche pas. Non, me pousse pas, s'il te plaît. Par contre, la vie, c'est... C'est pas terrible, hein. Là, tu vas me dire que je veux... contre le truc, tu peux pas faire la glissade quand ça remonte. Mais arrête de me pousser. Oh, je vais mourir. Je suis parti trop tard, beaucoup trop tard. T'imagines, tu joues à la loyale à l'époque. T'arrives ici et tu meurs parce qu'une petite saloperie comme ce qui est là, te pousse sous le truc qui t'écrase. Oui, te bloque alors que t'essayes de passer. Comment devenir fou? Comment détester le jeu, en fait? Et vraiment, arrête. Il ralentit bien, en plus, dans la montée, pour te foutre bien la pression. Bon, du coup, le boss de fin de niveau, c'est un droïde... Un droïde d'interrogatoire. Pour que ce soit un petit peu logique. Est-ce que... C'est une plateforme. Je me demandais si c'était quoi ce truc qui monte. Ok, on grimpe. Alors, il y a l'air d'avoir des passages sur les côtés, mais... Je sais pas vraiment si ça sert. Joli effet là, le fait de faire croire qu'il vient du fond. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est horrible comme droïde. Ouais, j'ai mis un petit peu de temps dans ce sens. Allez, on continue à grimper. La vie, c'est pas l'éclate. Non mais d'accord. Non, il faut arrêter de me pousser, s'il vous plaît. C'est très très chiant. Y'a rien de plus frustrant dans un jeu que les ennemis qui te poussent. Stop! Machin, il me kidnappe, quoi. C'est un kidnappe.
d'un pic dans les règles. Ok. C'était pas par là. J'ai eu de la chance. Et là, tu veux me dire que je le touche pas. C'était juste. Ok. Voilà, comme ça je me mets full vie. De toute façon, j'ai pas besoin de l'aberration, je suis déjà à fond. Sauf tête. Ça va être un boss. Voilà, détention garde. Qui est. Ouais. J'imagine qu'il faut. C'est ça. Tirer dessus. Quand il s'ouvre. Ok, le pattern n'est pas très très compliqué. En plus, il nous donne des ennemis pour nous redonner de la vie. C'est un boss finalement assez gentil, je dirais. Non mais non, non, je me suis concentré sur la vie. J'aurais dû lui tirer dessus. Parce qu'il est gratuit quand il fait ça. Voilà. Ah, deuxième phase. Il va me faire avoir par ça. Et un autre niveau de terminé. On peut continuer. On peut aller voir un quatrième niveau peut-être. Princesse Leia, on est là pour vous sauver. Nous avons l'unité R2 avec les plans secrets de l'étoile de la mort. Maintenant, nous devons désactiver le rayon tracteur et nous enfuir. Allons-y avec Luke. Continue avec Luke. Personnage principal, quand même. Même s'il me semble que le rayon tracteur de souvenir dans le film, c'est Obi-Wan hein, qui le désactive. Luke et Leia sont poursuivis dans des précipices et tout ça, mais il me semble bien que c'est Obi-Wan qui détruise le rayon tracteur. Ok, grande ascension. Évidemment, des bonus. Du côté où on ne va pas. Sinon, c'est pas drôle. Ok, bah, ils ont été sympas, ils nous permettent de récupérer pas mal de vie. C'est pas tous les jours que je le dis sur ce jeu qu'ils sont sympas. Alors lui, je sais pas comment. Ah oui, d'accord, si tu le loupes, vive l'attente. Hein. Ok. Hop. J'aurais pu prendre le détonateur, ça aurait été pas mal, mais... J'aurais dû attendre sur la plateforme.
Exactement. Ok. Dessus, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Est-ce que je peux peut-être monter? Ouais, mais en fait, non, je suis bien là. Il se défend vite fait, mais en fait, ici, t'es tranquille. En tout cas, avec ce type d'armement. Juste à bourrer, ça passe tout seul. Vu que je détruis ses missiles, donc. Pas besoin de sauter, rien n'a besoin de faire. Et voilà, on peut même... Allez, on regarde le niveau suivant. On est à 30 minutes, on peut aller un peu plus loin. Je t'attendais, Obi-Wan, nous nous rencontrons une dernière fois. Bon, c'est Dark Vador et Obi-Wan qui s'affrontent. Et Dark Vador tue Obi-Wan. Nos héros s'échappent dans le Faucon Millennium et tracent à travers la galaxie jusqu'à la base rebelle de Yavin. Une analyse des plans secrets qu'on a réussi à protéger de manière avec succès. Voilà, précise la faille. C'est dur parce que ça va très très vite. Et donc on nous souhaite bonne chance et que la force soit avec nous pour l'attaque sur l'étoile de la mort. Oh, joli. Jolie scène, donc on voit les troupes qui partent en direction de l'attaque. Et... Ouh! Jolie phase. Du coup, on utilise le moveset. Alors, d'accord, mais pourquoi je peux absolument pas contrôler mon véhicule et il va falloir détruire des tours. Et une vingtaine, hein, vous voyez. En fait, je peux juste faire gauche-droite. Je sais pas comment récupérer ma vie. Il avance tout seul, hein. C'est pas moi qui contrôle. J'essaye de viser les tours désespérément. Et on s'est fait avoir. On a 8 vies, c'est l'attaque finale, on sait jamais, peut-être que ça peut passer. Eh bien écoutez, on va s'arrêter. On va s'arrêter ici pour cet épisode. On terminera notre première run dans le prochain épisode. Je pense que là il reste peut-être 2 niveaux. Je pense que là on a le niveau un petit peu comme avec le véhicule sur Tatooine où on aura juste les 20 tours à détruire et ça terminera le niveau. Et puis après on aura certainement dans les travées de l'étoile de la mort de réussir à exploser le cœur en envoyant un missile au bon endroit. Et puis comme ça je pense que ça doit être les 2 derniers niveaux du jeu, et puis après on aura du coup je vous ferai peut-être 2 épisodes post fin de game, un premier vraiment en retour en easy où on essaie d'aller plus loin avec les vies qu'on a, et peut-être aussi un petit bonus avec celui en mode normal pour que vous voyez un petit peu la difficulté du mode normal et à quel point c'est compliqué ce jeu en termes de difficulté.
Voilà, sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. On a bien avancé aujourd'hui. Et puis, on se retrouve très vite pour la suite et première fin de cette aventure. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine.